Allô, bonjour. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît. Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 27 mai 72. Et vous nous appelez de quelle région? De Limoges. Merci. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Si je dois abandonner ou attendre une relation qui pour moi, enfin, pour l'instant, c'est statu quo, quoi. Qui vous pose un peu problème. D'accord. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 6. Le 6. Ah oui, il y a même une colère qui est en train de monter chez vous. Par rapport ouais. à ça. Là, il y a une colère ou en tout cas une pression qui est en train de monter. Oui. Une image de grand flou artistique, une image de, d'inconstance, de... Non, votre... en fait, je ne sais pas si je dois attendre ou passer à autre voilà. chose. Pour être très clair et direct, voyez-vous, oui. on ne va pas tourner autour du pot. C'est mieux que oui. vous passiez à autre chose. D'accord. C'est mieux de ne pas attendre, voyez-vous, parce que là, on voit effectivement que les choses sont complètement figées, bloquées. Ça ne bouge pas, c'est d'un grand flou, c'est vague. Ça vous bloque, vous, par contre, dans votre vie, oui. dans votre évolution de vie, ça vous bloque complètement, voyez-vous. On ne voit pas non plus en face de vous quelqu'un qui se donne les moyens de changer, ou en tout cas de changer sa vie. Oui. Parce qu'on le voit quand même aussi un peu prisonnier d'une situation, voyez, où une... Il ne fait pas trop parce que d'abord c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit et qu'au travers de ça, ben, il essaye que voilà, il voudrait bien faire une omelette mais sans caser des œufs. Mmh. Et ça c'est pas possible. Ça c'est vraiment pas possible. Donc pour vous, dans votre contexte de relation là, ben, écoutez, pour moi c'est très clair, il faut passer à autre chose. D'accord, vous voyez pas de recontact, rien de. Il y a vraiment, vraiment un mur là, il y a vraiment. Quelque chose qui fait que on dit voilà stop le chemin ne va pas plus loin, route barrée. Voyez-vous, le chemin ne va pas plus loin. Donc pour vous c'est très difficile d'être comme ça et comme vous êtes déjà vous dans le questionnement, qu'est-ce que je fais, j'attends ou bien j'attends mais il faut que j'attende pour quelque chose. Là vous attendez pour les frustrations, vous attendez pour la solitude, vous attendez pas pour quelque chose d'épanouissant et de joyeux pour vous, voyez-vous, c'est vous aussi de votre côté dans cette attente, vous vous mettez dans une prison et vous vous figez complètement. Ce qui n'est pas vous, c'est aller à l'encontre de votre nature votre nature propre, voyez-vous. Donc tourner cette page pour vous, eh bien vous donne de nouvelles perspectives. Et quelqu'un de nouveau, une rencontre nouvelle qui est là, qui vient par contre, lui, avec des intentions de s'engager et de construire. Mm-hmm. Vous voyez, donc, cette perspective... Et c'est pas la personne qui est en arrière que vous attendez actuellement. Voyez-vous, c'est pas lui qui sort de sa prison, tout à coup, qui s'évade d'une situation et qui, tout à coup, vient vous faire « Coucou, coucou, Elisabeth, je suis là, j'arrive. » Non, 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 c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, quelqu'un de nouveau que vous rencontrez par vos relations, par des personnes que vous connaissez. Voyez-vous, des gens autour de vous qui ne vont pas nécessairement organiser quelque chose pour vous mettre en face de quelqu'un d'autre, mais ce sera quelqu'un, voilà, les amis de mes amis sont aussi mes amis et c'est par ce biais-là que vous rencontrez. C'est quelqu'un qui... C'est un homme seul d'abord, hein. Quelqu'un qui peut être un peu plus âgé que vous ou avoir un peu plus de maturité, que vous voyez un peu plus de carrure, un peu plus de carrure que ce que vous avez connu jusque maintenant. Et qui vraiment, son intention première, c'est aussi de faire quelque chose avec quelqu'un, de marcher à côté de quelqu'un sur le chemin de la vie. Voyez-vous? Et de regarder dans le même sens. Ce qui va vous changer un peu la vie par rapport à maintenant. D'accord. N'est-ce pas? Donc, je vous invite vivement à tourner cette page. Et vraiment. Et en termes de temps, C'est là. Voyez-vous, c'est tout à fait dans l'air du temps. D'accord. C'est là. Voyez-vous, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est quelque chose qui est déjà tout à fait présent maintenant. D'accord. Donc, étant l'acteur principal de votre vie, eh bien, c'est une décision que vous avez à prendre et vraiment à donner ce coup de volant pour vous.
D'accord ? Okay. Voilà, Elisabeth. Vous pouvez toujours venir me rejoindre sur la plateforme. Je porte le numéro identifiant 47 si vous souhaitez me reconsulter plus tard. D'accord. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup de votre confiance. Merci, au revoir. Au revoir.